Autour du feu, devant leur bureau, les agents du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDD-RCS en train de bout tempo, concrétisent leurs promesses, seuls de cesser le travail. Ils sont sitting devant l'office de travail depuis très tôt le matin de ce lundi pour réclamer leurs droits. Porteurs de messages d'indignation, ces agents imprimaient des messages qu'ils ont plaqué contre le mur du bureau. Ambiance, 22 mois de travail sans salaire, 22 mois de souffrance. Déterminés à trouver solution à leur cause, ces agents ont décidé de saisir directement leur hiérarchie. À partir d'un appel vidéo de plus de 5 minutes, ces agents sont assurés d'une suite favorable à leur réclamation. Mais ils ne sont pas convaincus, d'autant que la hiérarchie n'est pas sa première promesse. Oh, maman André. Mon père Moueni, agent à charge des sensibilisations, communication et médias, réitère la position de ses collègues séchés le travail pendant une semaine. Au cas où il n'obtiendra pas gain de cause, ceci menace d'organiser une marche avec les ex-combattants. Depuis le 5 juillet, nous sommes en train de rappeler à tout le monde, à toutes les autorités, que nous continuons toujours à réclamer notre salaire. Rien que ça. Vous savez que tous ces agents qui sont autour de vous, ce sont des grandes personnes, ce sont des personnes qui ont laissé leur famille pour que le travail ou pour que le programme soit ce qu'il est aujourd'hui. Et vous êtes sans ignorer que ici récemment, nous avons même lancé des activités à votre présence et à la mairie. Et cela doit refléter quand même la conscience de nos autorités. Et c'est pourquoi, depuis octobre 2022, nous continuons toujours à réclamer ce qui est le nôtre. Et c'est le salaire. Donc c'est ça. Et nous sommes ici et durant au moins 7 jours. Nous serons en train de faire ce que vous voyez vous-même. Et après 7 jours, nous allons faire une marche de grande envergure avec tous les ex-combattants. Parce que la fois passée, je vous ai dit que même ces ex-combattants continuent à réclamer leur carte biométrique. Les agents du PDD-RCS ont débuté la démarche de la réclamation de leur salaire depuis mai 2023. Cette situation est source de grandes frustrations et de colère chez les agents de ces structures qui disent avoir du mal à subvenir aux besoins de leur famille.